Patrick Timsit était d'humeur taquine. Ce mercredi 31 mai, le comédien était invité à la table de C'est à vous, aux côtés de Thierry Lhermitte, pour faire la promotion du film Sexygénaire. À plusieurs reprises, Anne-Elisabeth Lemoine a tenu à rappeler à ses invités combien elle avait apprécié ce long métrage réalisé par Robin Sykes. Sexygénaire, si est-il drôle, si est-il fin, si est-il intelligent. Si est-il bien servi par deux acteurs, a détaillé l'animatrice du talk show de France 5, avant de se faire interrompre par Thierry Lhermitte. Et mis en scène par? A demandé l'ancien héros des Bronzés, en s'adressant à la complice de Patrick Cohen. Robin Sykes, a-t-elle lâché, en s'en mêlant un peu les pinceaux. Sykes, l'a aussitôt corrigé Patrick Timsit. Si est-il en salle le 14 juin prochain, sexygénaire. Mais même centenaire, moi je vous prends, à lâcher, enthousiaste, Anne-Elisabeth Lemoine. L'animatrice, qui a tenté d'improviser, s'est rapidement fait reprendre par son invité, « Écoutez, écrivez votre texte », lui a suggéré celui qui fuit les réseaux sociaux. Et de poursuivre, « N'improvisez pas, parce que ça ne vous réussit pas. Vous écrivez, vous êtes sûr de ne pas dire des choses décalées », a expliqué Patrick Timsit. Qui aime bien, châtie bien. Supérieur à supérieur à Ingrid Chauvin, Claire Keim, à Anne-Elisabeth Lemoine. Leurs histoires d'amour oubliées, Patrick Timsit méconnaissable dans C'est à vous, les téléspectateurs médusés lors de son passage dans C'est à vous, Patrick Timsit s'est présenté sous un tout nouveau jour. Lunettes de soleil teintées, barbe fournie, l'acteur a totalement changé d'apparence, ce qui n'a évidemment pas échappé aux internautes. Si est-il pas Patrick Timsit, si est-il Danny DeVito, c'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoine. Ah ah surprise. Patrick Timsit ou encore hashtag Timsit, on dirait Richard Anthony, a-t-on pu lire en commentaire sur Twitter. Lorsqu'ils l'ont appris qu'il s'agissait bel et bien de Patrick Timsit, le public interrogé par l'équipe de C'est à vous a lui aussi été très surpris. On vous reconnaît, mais franchement, les téléspectateurs à qui on a fini par dire que vous étiez Patrick Timsit le croyaient presque pas, a souligné l'animatrice de France 5. Non, je ne vous crois pas. Il est où? Il est caché où? S'est interrogé l'un d'entre eux. Il fait aventurier, alors que dans la vie, il laisse un peu moins, a taclé un autre. Crédit photo, capture d'écran France 5. On your